Salut à tous, c'est Nazwand qui vous parle, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Tales of Symphonia, où il y avait l'air d'y avoir des pièges complètement stupides. Genre ça. Oh. Ça va vite, là. Hop. Voilà. Ah d'accord, je croyais que le machin voulait pas se battre. J'ai eu peur, l'espace d'un instant. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait tous les combats en automatique. Vu que ça change rien du tout. C'était dur, hein. Si, si. Je vous jure que c'était dur. Ok, il se passe rien. Pourquoi je me jette sur les ennemis, moi, en fait? Non, le combat, je le laisse se faire tout seul, j'ai aucun intérêt à les aider, quoi. C'est moi où le son de ce jeu est méga fort. Deux secondes. Putain, gueule ce jeu! Ouais, c'est un petit peu mieux là. Bon, du coup. Ouais, ok. Ok. Youhou! J'ai trouvé la solution à l'énigme. C'était trop dur. Y a un truc là, c'est quoi? Le grand roi des Balakruf, Cléo III, est mort et il a ressuscité en tant que roi du vent. Le roi traverse les cieux avec l'esprit originel dans le passé, le présent et le futur. Vous avez bien fumé, hein, quand même. Ah tiens, une énigme trop dure. Attention. Voilà. C'était extrêmement dur. Vous avez trouvé ruban bleu. Trouver plastron en fer. Oh bon, d'accord. Des nouveaux équipements, pourquoi pas. Optimum. Oui. Oui, non, je m'emmerde plus, hein. Voilà. Optimum. Optimum. Voilà. Bon, il n'y a plus le vent, donc du coup, ça veut dire que je peux allumer l'autre torche qu'il y avait là-bas. Non. Je pense. On va le savoir tout de suite. Youpi, elle est allumée. Aïe. Putain. Ça retire une masse de vie en plus. Celle-là, elle reste pas allumée. Hein. Il fait trop sombre. Hein. Ouais, donc oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Et là, je parie que ça fait... ouais, ça se déclenche à chaque fois. Ouais, bon, bah écoute. On s'en fout, hein. On se prend le coup et puis on y va. De toute façon, j'ai des items de soins illimités, hein, donc... C'est moi ou mon connard, là, il est... Ouais, il est figé. Et il reste figé. Super, vous avez trouvé une gemme mémorielle. Je m'en branle, je veux juste défiger mon Lloyd là. Voilà. Merci beaucoup. Bon, bref. Les Balakruf sont des gens du vent, ils sont nés avec le vent, vivent avec l'esprit originel et deviennent vent quand ils meurent. Ouais. Vous avez pas trop fumé, hein, pour éteindre ça, ça va. Regarde, il n'y en a plus du vent. Les gens du vent, je les emmerde. Le monde est un géant. Sa main gauche de rubis est le trône des dieux. Sa main droite d'émeraude est le pouvoir des dieux. Sa jambe gauche de perle est la terre calme. Et sa jambe droite de topaz est la terre riche et son corps de lapis lazuli est la princesse du vent bleu. Ouais, je crois qu'il y avait une sévère concentration de drogue. Hein, lorsqu'ils ont fait ces écrits. Ah.
Oui, je vois aucun intérêt à faire les combats en fait. Ouais, ouais, c'est cool. Je vais prendre les dégâts, c'est pas grave. Bon, bah, du coup, je peux allumer le truc et lire. Ça n'a pas l'air utile, hein. L'esprit originel et le vent à son service sont censés se trouver derrière la sculpture du sceau sacré. Ok, ouais. Je sais pas si j'ai absolument besoin de lire ça, j'ai pas l'impression, hein, mais écoute, dans le doute. Déjà, objet, je l'ai mis, voilà. En plus, ça fait des dégâts à toute l'équipe, hein, c'est génial, bravo. Ça pourrait pas juste faire des dégâts au perso qui est affiché, hein, non. C'est bon, passer. En tout cas, ce donjon a pas l'air plus compliqué que les autres, hein. Voilà. Salut. Grognement. Corinne. Oui. D'accord, t'as appelé ton chien Corinne. C'est bien, écoute. Bon, déjà, on va se débarrasser un peu des mobs qu'il y a autour là parce que ils vont faire chier sinon, je le sens. On va peut-être voir ce que ça fait ce... Ouh, ça fait mal le plume d'ange. Bon, on va se débarrasser du deuxième aussi parce que c'est une sale énigme. Hein. Oui, c'est clairement une sale énigme, donc du coup on se débarrasse des ennemis. Hein? C'est déjà plus propre qu'avant. Bon, du coup, c'est une énigme. Voyons voir. Ouais, c'est une énigme, mais donc. La salle du sceau semble être devant. Mais donc. Je veux dire, je peux pas faire souffler le vent sur cette saloperie. Attends, voir. Il y a un truc là en bas. La fonction de l'anneau du sorcier a changé. Ah! Maintenant, je peux faire du vent avec. Hein, l'anneau du sorcier agit bizarrement. On dirait qu'il fait du vent. Je me demande à quoi ça sert. Bah, ça sert à résoudre l'énigme de la prochaine salle. Très certainement. Oh, bon, les mobs sont venus. Hein, rien à foutre. Putain, le mob était pas obligé de m'attaquer là. Se repos. Vous êtes un peu trop puissant mes persos je dirais, mais bon. Ok, je fais tourner les trucs. Bon, le mob il va arrêter de me faire chier là, le temps que je comprenne l'énigme. Tu mets pas de mob dans une salle où il y a une énigme à résoudre. Plus chier qu'autre chose. Oui, très utile. Oui, que de la prime, effectivement. Bon, du coup, je fais tourner ces trucs. Et donc. Là, il y a le mur qui est pété, je le vois. Il n'y a aucune indication, hein. C'est assez hallucinant. Ben voilà, j'ai fait tout se tourner et donc. On revient tout de suite, les gens. Hein. Vous voyez, quand un jeu vous fait des mauvaises énigmes, vous pouvez les reconnaître tout de suite. Hein. Parce que là, littéralement, la solution, elle te donne. J'ai été regarder un site de Solus, hein, soyons clairs, nets et précis.
Mais du coup, ouais, alors d'abord il faut faire rouge, vert, jaune, blanc, bleu. Ok, d'accord. Alors, voilà, rouge, vert, jaune, blanc, blanc, j'ai... Blanc, bleu. Voilà, d'accord, ouais, ça fait un mob. Alors, tant pis, on va lui péter la gueule et on va aller récupérer le coffre. Pas de soucis. Comment ça me fait chier ceux-là à te figer? Ah bah ça s'est enlevé. Ok, d'accord. Très bien, bon. Vous avez gagné gemme X niveau 2. Je m'en branle un peu des gemmes X en fait. C'est fou. Ensuite, ils disent quoi? Alors, bleu, rouge, jaune, blanc, vert. Alors, bleu, rouge, jaune, blanc et vert. Et puis, je vais vous péter la gueule au mob. Parce qu'il peut pas juste te donner un trésor. Ils sont obligés de te foutre un combat dans la gueule. Débile. Oui, d'accord, nickel. Et ça, c'était juste pour avoir des coffres bonus et tout, hein. Parce que bon, je me suis dit pourquoi pas les prendre. Mais surtout, la solution qui, je le rappelle, n'est indiquée nulle part, hein, c'est rouge, jaune, vert, blanc, bleu. Alors, rouge, jaune, vert, blanc et bleu. Tu imagines le nombre de possibilités que tu dois essayer avant d'arriver à faire ça? Sérieusement, il n'y a aucune indication de nulle part. Va te faire foutre le jeu. Le principe d'une énigme, c'est de te donner une indication pour savoir comment la résoudre. Putain, nous sommes enfin à l'hôtel. J'en ai assez des donjons. Tu n'as aucune patience. Attendez, je sens un mana incroyable. Waouh, la musique de boss s'est déclenchée. Est-ce que ce serait un boss à vaincre? Bah, je vais les laisser faire, je vais juste observer le combat, voilà. Allez-y les mecs, hein. Non, moi je touche à rien, hein. Les combats se font en auto. C'est plus intéressant à regarder. En plus, même à ce level-là, le mob, il met quand même des plombs à mourir. Voilà, c'est bon. Ok. Youpi, un ascenseur. Élu de la régénération, je te félicite d'être parvenu jusqu'ici. Maintenant, offre tes prières à l'autel. Oui. Fais donc ça, élu de la régénération. Oh, déesse Martel, grande nourrice et gardienne de la terre, accorde-moi ta puissance. Dis donc, c'est comme les ballons à l'hélium, tu sais, ça s'envole au bout d'un moment. Tu penses qu'elle explose si elle vole trop près du... de l'espace. Je me demande, hein. Salut du con, ça va? Le deuxième sceau est désormais brisé. Tu as bien agi, élu Colette. Merci, père. Accepte, j'ai pas eu le temps de lire, merde. Père.
Le prochain sceau se trouve loin au sud dans un endroit pur qui flotte sur une île isolée. Offre tes prières à l'autel dans cette contrée lointaine. Père, ai-je fait quelque chose pour vous déplaire? Cela n'a pas d'importance, l'essentiel c'est que tu deviennes un ange. Bah, j'ai loupé pile, j'ai appuyé sur A sans faire exprès. Je vous mettrai un arrêt sur image. Hein. Je t'attendrai au prochain saut, Colette, ma fille. Deviens vite un vrai ange, ne me déçois pas. C'est un connard, ce mec. Qu'est-ce qu'il a? Il part toujours comme si c'était le roi du monde. Voilà, hein, la petite claque, là, hein, qui est totalement gratuite et qui a aucune raison d'être. Excuse-toi auprès de Colette. Ça va, père, Rémi, elle parle vraiment comme ça. Bon, on va au prochain saut alors, mais enfin, moi, il m'a encore embrouillé la tête. Arrête de plaindre, allons-y. Et Kratos, arrête d'être l'espèce d'espèce de cliché badass, là. T'es une merde. Ok? Va te faire foutre. D'ailleurs, un bon jeu aussi, bah, ça te permettrait, bon... Ça te permettrait de sortir du donjon directement, hein. Mais là, pas. Oh, regardez-moi la tête de l'autre, là, en bas à droite. Mais bien sûr, des pièges mortels. Ok. Non, tu dois te retaper tous les pièges de merde. Donc si t'es bien en ruine et que si t'es bien en ruine après le combat de boss, veut dire que tu t'es vraiment pris dans la gueule, que t'as plus d'objets de soins, ben non, tu dois te retaper tous les mobs à la con, hein, et mourir. En même temps, j'ai bien fait de les mettre en auto, hein, ils ont l'air de bien mieux maîtriser que moi. C'est ça vos pièges contre les pilleurs de tombe, hein. Stop. Cette voix. Oh non. Le jour est enfin arrivé, cette ruine ancienne sera votre tombeau. Oh, tu es là aussi? Reculez, ne bougez pas, ne touchez à rien. Maintenant que nous sommes devenus des amis, pourquoi est-ce que nous devons nous battre? Depuis quand sommes-nous? Je n'ai aucune intention de sympathiser avec vous, préparez-vous. Préparez-vous. Ouais, ok, d'accord. Bon, on va le péter la gueule une fois de plus, hein. Je vous rappelle qu'on vient de se faire un combat de boss, hein. Non, mais juste comme ça au passage. Ouais, il maîtrise bien mieux le perso que moi, Lloyd, hein. Biffine, fiole maudite et loupe magique, youpi. Alors, pourquoi ai-je encore perdu? Parce que tu t'attaques à 4 contre 1? Enfin, voilà. La bonté et l'amour l'emporteront toujours. Ouais, Non mais, sérieux, ouais, là vous êtes 4, les seuls, c'est logique que vous allez gagner. Jenny, s'arrête avec ce dicton nain, l'eau de rose. La bonté, ça veut dire quoi la bonté? Si vous êtes bon, alors moi aussi je le suis. Non, pas toi non plus. Arrêtez avec ces imbécilités. Qu'est-ce que tu en sais? Quand tu régénéreras le monde, mon pays sera détruit. J'empêcherai que ça arrive, je le jure. Attends, de quoi tu parles? Si je régénère le monde, tout le monde sera sauvé, non? Ce monde-ci sera sauvé. Ok. Arrête, qui es-tu? Alors tu n'es pas seul? Ce monde-ci, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Cette fille, est-elle... Tu la connais? Non, partons d'ici. Bah oui, je vais pas donner le scénario tout de suite, attends, il faut que le joueur se pose des questions. Ce serait dommage de tout révéler, quand même. Oh. Oui, donc moi j'utilise des cheats, donc je m'en branle, hein, mais je veux dire, quelqu'un qui fait le jeu legit et qui s'est retrouvé bien en ruine contre le combat de boss, bah il se tape un autre combat de boss droit derrière, c'est sympa. J'aime l'idée, hein, vraie pute les mecs. Oui, Colette. Nous devons immédiatement la laisser se reposer, bah laissez-la là. Toxicose des anges. Super.
Ouah, cette lune mal détourée, c'était magnifique. Non mais Colette, ça t'arrive de dormir de temps en temps? Je demande, hein. Colette. よくなったって言っても。でもな。ほら、クラトスさんだ。あいつは熱の番号してくれてるからいいんだよ。うん。よし。おやすみなさい。私の分も素敵な夢を見てね、ロイド。Tiens, ça essaie d'inclure du drama. C'est mignon. Aboiement. Je suis ici pour visiter, mais ce n'est pas intéressant du tout. Ouais, super. Bon, du coup, il faut aller au sud, qu'ils ont dit. Ennuyeux. Ah, ah. どうしたのだ?そろそろ封印解放ってのにも。飽きたか?違うよ!俺、ちゃんと村の人たちとか、犠牲になった人たちのこと忘れてねえよ!ならばいい。ごめん、つい。 Non mais vous gueule avec ce mec. Ce mec c'est un cliché ambulant. Sa voix est un cliché. Son caractère est un cliché. Il n'a rien d'intéressant. Rien. Bon, d'ailleurs, bon, la caméra s'il te plaît. Merci. Hein, placez derrière le personnage, ce serait gentil. Oui, je me suis tapé quoi là? Il n'y avait rien. Bref, je disais donc, je vais objet. Ouais, la fiole sacrée, hein, c'est gentil. Merci. La carte, s'il te plaît. La carte en grand aussi. Donc, une île flottante au sud. Comment je suis censé la rejoindre, cette île flottante au sud? Non, parce que. Bien juste aller devant là où je dois aller en fait. Le sud c'est par là. あの暗殺者またコレットを狙ってきたね。なんでコレットが邪魔になるんだよ。コレットが世界を再生するとみんな幸せになるんじゃねえのかよ。なんかおかしなこと言ってたよね。Non, elle a pas du tout dit ça. でも Oui, là, c'est juste tué, là, pas la méchante, hein. Ouais, merci Lloyd. Kratos, s'il te plaît, tu pourrais dire un truc d'intelligent pour une fois? Merci beaucoup. Il a encore quelque chose à dire là avec son nez rouge. Oui, non, mais j'ai pas besoin hein, de l'argent et de la statue spirituelle. Ah, bah en fait, si, 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 pour savoir où sont les prochains sauts. En fait, non, même pas, c'est bon, on me les indique à mesure. Le sud, c'est par là. La caméra, arrête de bugger. La récupérer cette putain de statue ici. Mais, et, putain, mais casse-toi de la route, brutive. Oui. Mais bien sûr!
Oui, bien sûr. J'irai le chercher. Ouf. Super, mais ça me dit pas où je dois aller. Mais comment je vais sur une putain d'île là? Non, parce que là c'est... Bon, on revient encore. Ok, apparemment il faut que j'aille à Palma Costa. Je m'appelle où est Palma Costa. C'est pas ici, ça c'est sûr. Je sais plus où est Palma Costa. Moi. Bon, déjà, on va se remettre une fiole sacrée. Merci beaucoup. J'ai pas envie de combattre. C'est même pas moi qui va combattre, hein, mais j'adore comment ils m'esquivent les mobs. Magnifique. Non mais putain de caméra, arrête de lever dès qu'il y a un objet de décor à 30 km à côté de moi. J'espère que c'est là-bas, Palma Costa, hein, c'est tout ce que je peux souhaiter. C'est Palma Costa, dites-moi que c'est Palma Costa. Oui, putain. Mais on s'en branle! Mais on s'en cogne! Mais on s'en tape, mais comme jamais, quoi. Alors, attends. Non, il fallait pas que j'aille à Palma Costa, mais que j'aille à l'est de Palma Costa. Donc. C'est quoi ça, là? Ok. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Oh, nous recevons très rarement des visiteurs. Puis-je vous aider? Ah, on ne fait que passer, vous êtes en plein pèlerinage. Nous voyageons pour étudier les animaux du monde. Je suis zoologiste. Maman, c'est un drôle de métier par les temps qui courent. Eh, bien sûr. Non mais putain, ils ont le droit de dire quelque chose, ces élèves, sans que tu les gifles. Voyager en quête de connaissances, c'est merveilleux. J'aime juste observer différentes espèces rares. On a même vu un oiseau géant qui brillait. Un oiseau qui brillait? C'est peut-être Aska, l'esprit originel de la lumière. Vraiment, cet oiseau serait un esprit originel? Je vois, ça expliquerait pourquoi je n'ai encore jamais vu cette espèce avant. Parlez-nous de la fois où vous l'avez vu. Ces informations pourraient nous aider et en plus je veux enfin entendre cette histoire. Dans ce cas, je pense qu'il vaut mieux que vous nous posiez la question à mes enfants. En fait, je n'ai pas bien vu l'oiseau. D'accord, je vais aller leur parler. Ouais, génial. Bon, toi là, t'as quoi à dire? J'imagine que cet oiseau ne peut se trouver que dans les montagnes imprenables, qui sont impossibles à atteindre à pied. Pourquoi ça? Nous avons parcouru tous les endroits accessibles à pied. Si on avait eu un à l'autre de ces. À l'un de ces endroits, je pense que nous l'aurions vu. Je vois. Oui, ou alors il peut s'être envolé ailleurs. Vous savez, ce jour-là, j'ai cueilli des noix sur l'arbre, et ça produit un joli son, c'est... on peut voir? Alors ceci est une noix de Linkité. Elle produit vraiment un joli son. Je vous donne celle-là, j'en ai d'autres. Merci beaucoup. Vous avez obtenu une noix de Linkité. Super. Racontez-nous en détail la fois où vous avez vu l'oiseau doré. Ah, c'était au sentier d'Ossa, nous campions près du pic, et cet oiseau qui brillait est apparu. Le sentier d'Ossa, Le vent soufflait également très fort ce jour-là. Un arbre tout proche a produit une mystérieuse mélodie, car le vent secouait ses noix, comme une douce balade. Les noix de l'arbre ont joué une mélodie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Probablement l'arbre de Linkité dont on dit qu'il pousse en altitude. On raconte que lorsque ces noix sont secouées par le vent, elles produisent un son de cloche. Je ne savais pas qu'il existait un arbre comme celui-là. Ça veut dire qu'on peut rencontrer Aska en allant au sentier de ça, non? Non, l'arbre n'est plus là. Soit quelqu'un l'a abattu et l'a emmené, soit il a été emporté par un glissement de terrain ou autre. C'est vrai qu'on n'a pas vu d'arbre comme ça quand on était là-bas. La souche près du pic, c'était peut-être ça.
Nous avons parcouru le monde entier, mais nous devons encore revoir cet arbre. On pense que cet arbre n'existe plus à cause de la culture intensive et des catastrophes naturelles. Je ne crois pas qu'il soit facile à trouver. Je vais faire un court résumé des conditions dans lesquelles ils ont vu l'oiseau doré. Tout d'abord, il se trouvait sur le sentier de Sast, indique que l'oiseau doré n'apparaît que dans des lieux en altitude. Ensuite, un arbre de Linkité a produit un joli son comme si une oie jouait une mélodie. Pour finir, ce jour-là, le vent soufflait très fort et le son des noix de Linkité a été porté sur une longue distance par le vent. Voilà pour résumer les faits. Ils ont dit qu'après avoir parcouru le monde, ils sont retournés au sentier de Sam et que l'arbre de Linkité n'y était plus. Et maintenant, ils doivent trouver un autre arbre de Linkité lors de leur voyage, au moins ils n'en ont vu aucun à pied. Ce qui signifie que pour voir Escape, il faut trouver un arbre de Linkité dans un lieu inaccessible à pied. Ça a l'air impossible. Oui, eh bien, nous n'aurons pas à faire ça tout de suite. Et même si nous trouvons un arbre de Linkité, il ne nous servira à rien s'il est mort. Le son doit être porté par le vent et il semble également difficile de jouer une mélodie. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire pour l'arbre mort avec vos pouvoirs de guérison? Mes seuls pouvoirs ne sont pas suffisants. Pour soigner quelque chose qui est déjà mort, il faudrait renforcer mes capacités de guérison. Quelque chose qui pourrait redonner le goût de la vie à l'arbre de Linkité. Une sorte d'exphère, voire un petit fragment à la rigueur. De plus, s'il est mort, cela implique que la terre est pauvre. Il faut trouver un moyen de la nourrir et de rendre de nouveau fertile. Le seul qui pourrait avoir une exphère, c'est papa. Mais s'il y a d'autres nains dans les environs, il se peut qu'ils en aient aussi. Il n'y a rien à faire, oublions Aska pour le moment. Fascinant. Waouh. Je vois, je suis impressionné par votre capacité de déduction. Oui, le joueur l'avait déjà déduit depuis très longtemps, mais bon. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est pas facile de voir Aska. Eh bien, je suppose que oui. Je me suis permis de noter les informations que vous avez rassemblées. N'hésitez pas à venir me voir si vous voulez les consulter à tout moment. D'accord. Génial, donc ça ne sert à rien d'être ici. Youpi, ça m'a fait perdre un temps prodigieux. Écoutons encore un peu plus ce qu'ils ont à dire. Mais je m'en branle! Non, non, je veux me casser! Mais putain, mais... Voilà, c'est bon, j'ai écouté tout ce qu'ils avaient à dire. Merci beaucoup. Ok, donc... Il est from the south of Salvation. Ah, c'est la plage là-bas. Putain! Je pense que c'est la plage là-bas. La caméra, s'il te plaît. Si je peux avoir une map des lieux où je dois aller, ce serait vachement sympa. Parce que juste avoir une map générale sans aucun objectif, c'est pas génial. Vous voulez mourir, vous allez mourir, y'a pas de soucis, hein. Merci beaucoup. Bon, bref. Excusez-moi. Bon, déjà sauvegarder un coup, hein. Voilà. Merci. Ensuite. Ah oui, c'est vrai, je voulais encore. Objet. Fiole sacrée. Merci beaucoup. Voilà, j'ai une poisse pour cette saloperie. Donc ça, c'est la maison du salut. Donc, House of Salvation, c'est ça. Alors, aller à l'est, c'est par là. C'est ça, cassez-vous. Barrez-vous, je vous dis. Ah, d'accord, ouais. C'est là. Île de Toda, Embarcadère. Voilà. Il semble qu'on puisse aller au geyser de Toda en traversant la mer par ici. Salut. Ça ressemble vachement à une maison du salut, votre truc, quand même. Salut, bienvenue à l'Embarcadère pour l'île de Toda. Nos bateaux, les seuls disponibles, permettent de se rendre au geyser de Toda. Ce sera 200 flous pour un voyage aller-retour. Voulez-vous louer un bateau? Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est ça, vos bateaux? C'est un baquet. Ouais, c'est un baquet. Des baquets. Mmh. Ouais, ça a l'air marrant. Je vais attendre ici. Continuez sans moi. Qu'est-ce qu'il y a, professeur Sage? Rien, je ne monte pas là-dedans. Ça a l'air drôle, venez, on y va. Allez, Rain. Mon dieu,
qui est la peur de naviguer. Oui, bien sûr. Essayez pas de lui donner un... Essayez pas de lui donner un côté mignon après qu'il ait tapé sur ses élèves, s'il vous plaît. Ce serait sympa. Enfin, c'est une psychopathe. Clairement. On est enfin arrivé. On a bien rigolé, hein, Lloyd. Il a pris l'eau et j'ai bien cru qu'il allait couler. Venez, professeur. Ah, merci. Tiens, ils ont pas fait un gag où elle tombe à l'eau? Bizarre. Bon, bref. Je veux quand même vite récupérer ce machin, ça doit pas être si long que ça. On va devant le geyser de Toda, ouais. Waouh. Lloyd, un geyser, c'est une sorte de source d'eau chaude avec de la vapeur qui jaillit à intervalles réguliers. Ouais, je le savais. Non mais il sait rien en fait, ce con. Qu'est-ce qui se passe, élu? Ce panneau là-haut sur le promontoire. Qu'est-ce qu'il a? Il me rappelle quelque chose, mais c'est peut-être seulement mon imagination. Super, bon, bref. Allons voir le panneau sur le promontoire. Même si on peut rentrer dans la source d'eau chaude, personne n'oserait le faire avec tous ces spectateurs qui regardent. Tout ce que j'ai à faire, c'est arrêter grâce à ma magie, c'est ça? Ouais, pendant qu'il est arrêté, je descends les rochers et je prends un statut. La glace que je peux faire va... c'est juste une estimation, mais je crois que pas que ça dure plus de 30 secondes. Compris. Lloyd, fais attention, ne prends pas de risques. Même mes pouvoirs de soins ont leurs limites. Tu as de la mauvaise habitude d'être trop sûr de toi, fais attention. Épine de glace. Ok. Va dans la direction que je t'indique. Si tu te trompes trois fois, la glace fond, alors ne fais pas d'erreur, d'accord? Bonne chance, Lloyd. Tout ce qu'il y a à faire, c'est ne pas se planter, laisse-moi faire. D'accord, alors j'y vais. Oh. Gauche. Gauche. Gauche, merde. Raté. Pas grave, on va retenter. Lloyd. Et merde. Oui, bon, maintenant on a droit à la scène où... Oh mon dieu! Allez, bon, c'est bon, je peux retenter. Oui, je m'en fous, vas-y. Allez. Tu m'excuses, mais on va la refaire, hein. Non, 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 j'ai pas trouvé la statue de Spiritua, on va la refaire. Merci beaucoup. Je veux dire, te laisser qu'une seule chance, c'est va te faire foutre. Hein? Non, non. Je vais pas laisser l'autre connard de Kratos être en mode « Oh mon dieu, je suis badass, regarde, je suis arrivé. » Putain, vas-y. Oui, bon, c'est bon, j'ai compris, vas-y. Même si tu fais passer les dialogues à mort, il y a toujours ces... Oh, va chier. Allez. Voilà, bien joué. Nickel. Tu es extraordinaire, Lloyd. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. D'accord, alors retournons voir ce vieil homme. Vous avez trouvé la statue de Spiritua. Youpi. Bon. Maintenant, je vais me refaire tout le chemin à pied, évidemment. Attends, il y a quoi là derrière? C'est quoi? Qu'est-ce que... C'est pas une pierre de machin? C'est une pierre de l'oracle, là. Voici donc le saut de l'eau. Ouah, ça craint, je n'avais même pas besoin d'aller chercher la statue de Spiritua. Rajoute-toi, Lloyd. Je pense que c'est une chance de bien s'amuser à bord avec ses baquets. Ouais, je suppose, mais... Lloyd, dépêchons-nous de monter. Allez, Colette. D'accord, je vais placer ma main sur la pierre et il ne se passe rien. Ok, ouais.
Excellent, maintenant commençons les fouilles. On n'est pas là pour faire des fouilles. Ça va avec ton soutien-gorge apparent, madame la ninja? Corinne. Je t'aurai la prochaine fois. Hurlement. Pourquoi cet animal bizarre bloque-t-il le passage? Youpi. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que la fille n'a pas pu entrer. Quelle fille? La tueuse, celle qui poursuit l'élu. Elle nous a suivis? Tu ne l'avais pas remarqué? J'étais occupé à réfléchir. Ne baisse jamais ta garde, jamais, si tu veux survivre. Oui, bien sûr. Tu es si parfait. Jamais tu ne te planterais. Je commets aussi des erreurs. J'en ai fait une terrible. Oh mon dieu, son passé sombre. Te pardonner, quoi. Je comprends pas parfois. Personne ne le comprend. C'est un perso dark qui coulole. En même temps. Oui, non, mais la tour du. Allez-y, avec vos dialogues à la con. スピリチュア様のおかげで世界にマナが満ちて人々が救われてスピリチュア様は天界へと導かれたの。なんでその時救われた世界にディザイアンがまた現れたりマナが減少してみんな苦労するようになったんだ。救いの塔が消えてしまったからその恩恵を受けられなくなったって教わったけど ロイド Je suis trop occupé à me prendre des claques de votre part, professeur. Tellement fascinant que j'en ai rien à foutre. Merci. Les mobs. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Allez, on continue. J'aurais bien mis un point de sauvegarde, à vrai dire, hein, mais bon. Ah bah tiens. Merci beaucoup, ça tombe bien. Je sais même pas si je dois être là, j'en ai rien à foutre. On va s'arrêter là pour le moment, donc voilà les gens. Cette vidéo vous a plu, pour laisser un j'aime, commenter, vous abonner, la partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, la mettre en favori. Tout ça me ferait énormément plaisir. Pour sinon rejoindre sur notre serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir, bye. Toute cette énigme à base de lance-flammes de mes deux couilles, elle était pas, hein, dans la partie avec Kill.